Salut à toi, c'est Méric. Aujourd'hui, on va parler prise de masse. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, ça peut t'intéresser. Si tu débutes dans la musculation, je te conseillerais dans un premier temps de débuter par 3-4 entraînements par semaine, pas plus. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que ton corps s'habitue, il va falloir que tes articulations s'habituent. Et donc, que tu commences pas à fond, enfin pas que tu t'entraînes, voilà, 6-7 fois par semaine. Déjà, 7 fois, c'est beaucoup trop. 6 fois aussi, 5 fois, c'est bien. Mais voilà, pour de la prise de masse, 3-4 fois quand tu débutes, c'est bien. Ensuite, ce que je te conseillerais, c'est de rester sur des mouvements polyarticulaires. Alors, les mouvements polyarticulaires, c'est quoi? C'est tout ce qui va en fait, qui va faire marcher ton corps avec plusieurs articulations. Donc, c'est-à-dire le squat, le développé couché, le soulevé de terre, le développé militaire, les tractions, etc., etc. Il y en a plusieurs. Voilà, donc reste sur ces mouvements de base, travaille correctement. Il faut que tu aies une bonne posture, faut que tu aies les bonnes méthodes afin que tu te fasses pas mal, que tu travailles le mieux possible, que tes muscles soient mis en mouvement avec une amplitude maximale. Et voilà, sans que tu te fasses mal, que ce soit aux articulations ou autre chose. Ensuite, ce qui va être important dans la prise de masse, c'est bien sûr l'alimentation. Donc déjà, fais 3 repas bien équilibrés, 3 repas où tu augmentes légèrement les glucides et tu manges correctement. Ensuite, si tu vois qu'au bout de 3 semaines, 1 mois, tu prends pas forcément de la masse, et bien rajoute 2 collations ou une collation pour commencer et après une deuxième collation. Donc, ce qui est bien, c'est de manger toutes les 3 heures, comme ça, tu as le temps de digérer, tu multiplies tes repas et ça augmente ton métabolisme et ton apport calorique. Après, 3 bons repas quand tu débutes, ça peut te permettre déjà de prendre de la masse et tu vas pas être obligé de faire 5 repas. Et puis au début, ça va surtout être compliqué. Si t'as pas un gros appétit, 5 repas, ça peut faire beaucoup. Voilà, donc 3 bons repas déjà, ça peut être pas mal. Ce qui est important aussi dans la prise de masse et dans la musculation générale, c'est de dormir 7 à 8 heures par jour. Donc ça, c'est super important. Le repos, c'est ce qui va te permettre justement de régénérer tes cellules, de régénérer tes fibres, etc. Donc c'est super important. Il va falloir bien que tu t'entraînes, bien que tu t'alimentes et que tu te reposes aussi. Donc 7 à 8 heures par nuit, c'est bien, c'est important. Une des erreurs à éviter quand tu veux prendre de la masse musculaire, c'est justement de vouloir rester sec. Alors, rester sec à l'année, tout dépend de ton métabolisme. Si tu es de nature assez sec, plutôt ectomorphe, donc c'est-à-dire que tu as très peu de gras et tu prends très peu de gras, tu vas rester plus ou moins sec. J'ai bien dit plus ou moins sec, tu vas quand même prendre un peu de gras, un peu de flotte, mais voilà, tu resteras plus sec que le mec qui prend facilement du gras. Mais attention, voilà, faut pas vouloir rester sec à tout prix parce que ça va te freiner un petit peu à prendre de la masse musculaire. Donc moi, ce que je te conseillerais, c'est vraiment de prendre de la masse pendant, voilà, 6 mois, 1 an, et puis après tu fais une bonne sèche et tu gardes ta définition musculaire. Parce qu'après, si tu veux prendre de la masse sèche, bon déjà c'est beaucoup plus long, et ensuite tout dépend de ton métabolisme. Ensuite, ce que je vais te conseiller, c'est de faire 45 minutes à 1 heure maximum d'entraînement. Pourquoi? Parce que après 1 heure d'entraînement, tu vas sécréter une hormone qui s'appelle le cortisol, et le cortisol, c'est tu vas cataboliser, c'est-à-dire que tu vas brûler ton muscle, c'est l'hormone du stress, et donc ça va faire l'effet inverse en fait. Donc il va falloir que tu restes dans la phase anabolique, donc de 45 minutes, 1 heure, et que tu passes pas dans la phase catabolique, donc de régression. Ça va aussi te permettre de pas non plus trop taper dans tes réserves, sachant que si tu as un métabolisme à brûler, et ben forcément tu vas galérer à prendre de la masse. Donc 45 minutes, 1 heure maximum, ça suffit amplement. Il va falloir que tu commences, par exemple si tu es débutant, plutôt par du renforcement musculaire, donc c'est-à-dire 15-20 répétitions avec 1 minute de repos. Pourquoi? Alors ça va pas être de l'hypertrophie, tu vas pas prendre de la masse musculaire directement, bien que tu en prendras quand même vu que tu débutes dans la musculation. Mais ça va être important pour tes articulations. Si tu attaques avec des charges trop lourdes et un temps de repos assez long, donc ça va te permettre de mettre beaucoup plus lourd, tes articulations, bah, tu vas les massacrer et du coup tu ne pourras pas continuer, tu vas te faire mal, tu vas choper une tendinite ou un truc comme ça. Donc voilà, attaque par du renfo. Ensuite, au bout de voilà, 4, 5 semaines, 6 semaines, là, tu passes sur un programme hypertrophie sarcoplasmique. Donc, le sarcoplasmique, c'est alors un peu plus lourd, mais tu vas rester quand même sur du léger. C'est-à-dire que tu vas faire un nombre de répétitions entre 10 et 12 avec 1 minute 30 de repos. Et ça, tu vas le faire pendant 5-6 semaines également. Ensuite, tu vas basculer sur l'hypertrophie traditionnelle ou myofibrillaire. Donc là, c'est plus de la masse.
et tu vas rester sur, on va dire, 6, 8 répétitions et 2 minutes de repos. Ça, c'est vraiment ce qui va te permettre de prendre de la masse. Donc, tu vas avoir une charge assez conséquente avec un temps de repos un peu plus long. Ensuite, suite à l'hypertrophie myofibrillaire, tu vas pouvoir passer en force paramax. La force paramax ou force explosivité, c'est ce qui va te permettre de progresser par rapport à tes charges. Parce qu'en faisant de l'hypertrophie, tu prendras un petit peu de force si tu es débutant, mais au bout d'un moment, tu vas stagner. Donc, en faisant de la force paramax, ça ne sera pas de la force directe. Mais ni de la masse, mais indirectement, tu vas pouvoir progresser, augmenter tes charges par la suite. Donc tu vas faire ça, voilà, donc là tu vas être plus sur du 6 reps, voire même un peu en dessous. Tu peux faire de la méthode bulgare, donc 6 x 6 plus 6, donc tu fais 6 reps lourdes et puis 6 reps explosives. Et là, tu vas avoir un temps de repos qui est de 3 minutes, donc qui est plus conséquent, ce qui va te permettre de mettre une charge plus importante et de prendre la force, tout en prenant un petit peu de masse musculaire. Une fois que tu as fini ton cycle de force paramax, c'est de faire justement de la force pure. Donc là, tu vas être sur du 1, 2 reps, voire 3 reps, et avec un temps de repos de 4 minutes, voire même pouvant aller jusqu'à 5 minutes. Donc là, tu vas vraiment prendre uniquement en force et tu vas avoir un impact sur le tissu conjonctif, donc les articulations, etc., et les tendons. Ensuite, suite à la force pure, tu peux repartir sur un cycle d'hypertrophie myofibrillaire ou sarcoplasmique, donc c'est-à-dire des séries de 10, 12 reps ou 6, 8 reps avec un temps de repos de 1 minute 30, 2 minutes, ce qui va te permettre justement de regagner en masse, mais sachant que tu as fait de la force, donc tu auras légèrement augmenté les poids, ce qui va te permettre une progression sur du long terme. Alors, ce que je vais te déconseiller, par contre, c'est de vouloir mettre trop lourd tout de suite, de vouloir mettre des charges importantes. Ça va juste te détruire, tu vas pas progresser. Et ça, c'est vraiment pas le top. Il faut vraiment que tu t'habitues à la charge, à l'entraînement, au mouvement, que tes mouvements soient le plus propre possible. Parce que quand je vais dans les salles de sport, je vois très bien que les mecs, ils veulent mettre la charge. C'est l'ego qui parle, mais l'ego, ça sert à rien en fait. C'est pas là que tu vas progresser. Déjà, tu vas te faire mal, donc tu vas arrêter la salle, donc tu vas pas progresser. Et ensuite, c'est pas, voilà, c'est nul quoi, ça sert à rien. Vaut mieux que tu mettes moins lourd, que tu fasses tes mouvements proprement, tu verras que ton muscle, tu congestionneras mieux, tu auras une meilleure sensation. Et c'est ça qui va te permettre justement d'aller plus loin, c'est pas de mettre lourd. De mettre lourd, ça servira à rien. Surtout que les trois quarts ne s'échauffent pas. Et ça aussi, c'est hyper important. Il faut s'échauffer, les gars. Passez au moins 10 minutes, un quart d'heure à vous échauffer. Vous commencez par un peu de cardio, ensuite un peu d'élastique pour échauffer les épaules ou ce que vous voulez. Mais voilà, faut s'échauffer. Ensuite, on bascule sur le mouvement polyarticulaire, le premier mouvement que vous voulez faire, et vous augmentez progressivement la charge. Mais commencez pas directement à pousser les poids. Vous allez juste vous massacrer et ça sert à rien. Sachant qu'en plus, quand tu vas t'échauffer, tes muscles, tu vas directement taper sur tes muscles, tu vas pas taper sur tes articulations. Si tu arrives tout froid, etc., le temps que tes articulations soient prêtes, et ben voilà, tu tapes dessus, donc ta séance en plus sera moins bénéfique. Donc d'où l'intérêt de t'échauffer, c'est hyper important. À la fin de ta séance, ce que je vais te conseiller, c'est de faire un petit retour au calme, donc que ce soit des étirements, mais bon, en prise de masse, si tu fais de l'hypertrophie, c'est pas forcément le top d'étirer le muscle juste derrière. Moi, ce que je vais te conseiller, c'est plutôt de faire un petit peu de cardio, parce qu'on a tendance à un peu oublier le cardio en prise de masse, et c'est pas forcément la bonne solution, parce que le cœur, c'est important, donc il faut le faire travailler à l'année. Et en plus, voilà, tu vas être essoufflé parce que tu vas prendre du poids, donc fais travailler un petit peu le cardio, pas forcément à haute intensité, hein, mais voilà, tu fais soit des escaliers, soit un peu d'elliptique. Voilà, un petit peu de cardio pendant 10 minutes, ça suffit. Mais voilà, c'est important pour le cœur et le retour au calme. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Je t'invite à me retrouver sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook. Je t'invite aussi à t'abonner en bas de la vidéo. Lâche un pouce bleu, mets un commentaire pour me donner d'autres idées afin que je puisse te faire d'autres vidéos qui t'intéressent. Et puis je te dis à la prochaine, ciao!